Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour, et oui, une petite vidéo sur Vampires The Masquerade Bloodlines. On s'était laissé la dernière fois après avoir buté un haut placé dans le sabbat. Ouais, visiblement c'est un haut placé. Ça veut dire qu'on s'approche peut-être de la destruction du sabbat, mais faudra peut-être pas frimer tout de suite. Et là, on va dire un peu au revoir à Hollywood, parce qu'on va plus la revoir de tout de suite, hein. Ah oui. Parce qu'on va commencer l'ascension dans les égouts de la muerte, comme je dirais. Oui, des égouts de merde. Toi, tu me manqueras pas. C'est de loin la personne qui me manquera le moins. Donc voilà, on repasse par ça. J'avais dit que cette porte, on devrait l'ouvrir, hein. J'avais dit précédemment, hein. On était passé déjà à côté. Pour échapper à l'autre conne, justement, qui est en haut, là. Ça va mourir de vieillesse, ça m'attend. Ah, les égouts de la muerte remplis de mutants. Et je vous dis encore... Si, ils sont chiants, quoi. Je sais pas si c'est les pires, hein, ceux qu'on affronte là. Mais en tout cas, ce seront pas les seuls qu'on affrontera. Il y en aura d'autres. Plus rares, mais il y en aura d'autres. Heureusement, il y aura les rats pour se ravitailler. On pourra compter que sur eux. Et bah oui. On peut pas leur sucer le sang à ces monstres. Le problème, c'est qu'on va les affronter pendant au moins une vidéo. Et quand je dis au moins une vidéo, c'est... je pèse mes mots. Oui, oui, ce passage va être chaud. Il y en a plein. Là, je suis en train de danser la gilk. Putain, la lumière au bout du tunnel. Du tunnel Schnell. Eh merde, je me suis fait arnaquer, bah putain. Fallait que ce soit bouclé de l'autre côté. Bon. Ok. Il y a une petite piscine, sympathique. Non, on va comprendre pourquoi les gens ils se sont fait éliminer facilement dans le coin. Par contre, l'inspecteur, ils ont pris leur temps pour le buter. Pourquoi moi, ils prennent pas leur temps? Moi, ils me foncent direct sur la gueule, hein. Bon, peut-être parce que maintenant que je suis au courant de leur présence, ça sert plus à rien de se cacher, mais bon. Quand même. Walouf. Toi, tu m'écrases pas cette feuille, elle est importante, du con. Oui, je parle à mon chat. Sûr qu'il va nous repérer. Et il est où? Oh merde, il est là. Eh connard. Ouais. Oh putain. Tu m'as pas dit que t'étais ça. Aussi, j'ai un peu continué San Andreas où je lui avais fait un peu la gueule parce que la petite amie de CJ dans ce jeu, elle me casse les burnes. J'ai tenté de refaire, mais bon. Faut continuer. Bon, je crois. C'était con, franchement, d'avoir arrêté juste pour ça. Hey, j'ai refait le jeu alors que j'avais perdu des données depuis un moment. Et c'est elle qui m'a fait offrir. Oh, je reprends là, j'essaierai de continuer un peu l'émission. Voilà, d'avancer dans le jeu. Et dès que j'ai la cam, je vous fais un délire, ça c'est sûr. Alors, j'ai même une liste de délires que je vous fais. 6 délires. Dès que j'aurai la cam, je ferai 6 délires avant de reprendre les solutions, ça c'est sûr. À part peut-être solution cop, mais ça on verra. Donc, ça sera. On aura déjà. Il y aura de quoi compléter 3 jours, donc là. Pour la première journée, ce sera un délire sur Sleeping Dogs et Dead Rising 2. Les deux font la paire. J'ai jamais fait un délire sur l'un sans faire un sur l'autre. Hein. Je l'ai remarqué. Hein. Ensuite, la deuxième journée, Saints Row The Third et GTA San Andreas, ça je vais dire. Les deux séries rivaux. Hein. Et pour finir, la troisième journée du Assassin's Creed 3, depuis le temps que je vous avais promis une suite. Ça date de longtemps, depuis Dailymotion, c'est pour dire. Voilà. Et pour finir, un petit mode extermination sur Hitman Absolution. Et oui, notre chauve national n'a pas encore fini de se défouler. Voilà. C'est ce qui vous sera prévu dans les jours qui viennent. Si la poste se décide enfin. C'est limite, j'y serais allé de moi-même et je serais revenu ici, ça aurait pris moins de temps. Hein. Enfin, c'est ça si j'aurais eu les moyens quand même.
Toi même. J'y vais à pied, vas-y. J'y serais allé à pied, ouais, ouais, j'aurais mis autre. À mon temps. Ouais, même si c'est au Royaume-Uni, hein, le truc où je l'ai acheté. Ouais, ouais, Royaume-Uni à la nage aussi, hein. Moins de temps. Que du bobard, que du bobard, que du babard. Oh, babard! Avec ses grosses oreilles, là. Avec ses grosses oreilles. Ok. Il ressemble à quoi, tous ces monstres? Faire des... Putain, ils font des rugissements de gay léopard. De léopard gay, oui. Bon, bah, on va tourner la petite manivelle. Au vidangelo. Voilà. Il suffit que je touche le truc pour que ça se tourne d'elle-même. Hein. Voilà, tranquille, hein, rien à battre. Eh merde, je suis aspiré par l'eau. Blou, 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 blou. Gloops, je suis un poisson. Ah, putain, ce film, il était génial. Je l'avais aimé. Je l'ai en plus. Ouais, en CD. Ou en DVD. Non, plutôt en DVD. Ouais. En CD, on n'aurait pas la place. Hein. Gloops, je suis un poisson. Quel beau film d'enfance. Ah, c'est les films qui... Hormis les films d'animation Disney, il y en a d'autres qui ont marqué. Hein. Donc, Gloops, je suis un poisson m'a marqué. Hein. Balto, qui n'est pas un film Disney, même si j'ai vu qu'il y en a qui font la connerie de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Anastasia. Ah ouais, il était bien Anastasia. Hein. Par contre, alors... C'est là qu'on se dit les pauvres Russes. Hein. Et de ça. Justement, il y a un débat sur ça, hein, sur l'invasion des trucs, comment ils ont chassé les tsars. Hein. Un débat, hein. Il y en a qui disent que ça a été fait violemment, d'autres pas. Enfin, dans le film, on voit que c'est par les mollo. Il y a Rasputin. Hein. Ouais, go, go, Rasputin. Non, non. Rasputin. Toi, t'as une gueule de Rasputin d'ailleurs. Allez, hop, dans l'eau, noyé. Hein. Oh putain! En fait, je retire ce que j'ai dit. Putain, mais ils ont combien? Ah bah non, c'était même pas le même. Putain, ils étaient 4 en fait. L'autre est toujours dans l'eau là. Il a l'air d'avoir développé des branchies là. Oh, il y a 2 dans l'eau, vas-y. Donc là, si on touche ces trucs, on est mort direct. Ah oui, je vais vous dire. Instant kill, kill, kill. Monster kill. Par contre, ce qui est chiant à ce passage-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul tuyau qui mène au bon endroit. Ou en non, deux là, dans l'occurrence. Mais généralement, ce sera un. Et si on s'approche des tuyaux qui mènent nulle part, il y a toujours un monstre qui en sort. Toujours. Oui, vous le sentez aussi. La merde. Alors, quand t'as un couloir jonché de tuyaux dans cet endroit, alors il n'y a qu'un mot, c'est run. Parce qu'il va en revenir je sais pas combien. Ah, vous verrez plus tard là de cette vie. Voilà, en voilà un. Bon, au moins on a de quoi se faire du kill, hein, de faire de l'XP, sauf qu'on n'a pas de quoi se régénérer. Surtout que dans ce petit coin là, il n'y a plus de rats. Ce qui est d'autant plus embêtant, vous me direz... Putain, comment j'ai fait pour passer cette fois? Alors le pire c'est que je l'ai réussi, hein. Avec... Sans trop de problèmes finalement au final. Plus de peur que de mal. Et bon, des fois je me dis, mais comment j'ai fait? Des fois j'ai eu de la chatte. En même temps, depuis le début de jeu, j'ai souvent de la chatte. Hein. Contre-syndrome du filmeur. En même temps, ouais, le syndrome du filmeur, cette expression, vous l'aurez compris, ça tient que quand tu as déjà fait le jeu avant. Et c'est que là, tu vois que si bizarrement en vidéo, tu arrives plus à le faire. Hein. Par exemple, si dans un Call of Duty. D'habitude, t'arrives à poutrer tout le monde en multi, hein, tu tombes sur des parties pas trop merde, dis. Puis là, dès que tu filmes, c'est que des parties de merde et tu fais un score de merde. Comme un certain ami qui s'appelle Alexécutor. Hein, mais je vais lui dire son vrai nom, Alex, si jamais ça le dérangera pas. Ouais. Lui, il en fait les frais. Et ça ne plaît pas trop, mais bon, ça le fait rager, oui. C'est un gros rageur, hein.
Ah ouais ouais, pire que Calimero le mec hein. Ah, putain, quelle vie de merde. Par contre là il y a une petite énigme. Mais c'est tout con, je sais même pas comment j'ai fait pour pas y penser direct. C'est tout con. Ouais. Attends, chercher la réponse. Faut trouver Waldo. Ah oui, hein, à stand kill. Il fallait que je teste quand même pour voir si ça te tue direct ou si ça te blesse au fur et à mesure. Non, à stand kill. Oh là là. Que sonnent les tambours de guerre. Les bruits des tambours. Ah oui, je suis pire que le maître. Hein. Dans Doctor Who. Faut avoir regardé la série pour comprendre le clin d'œil que je viens de faire, mais bon. Faut avoir regardé. Hein, Sinon vous comprendrez pas, n'essayez pas de chercher, n'essayez pas de fumer un gros joint. Vous comprendrez pas. Ah bah vous l'avez compris, faut placer les tonneaux pour qu'ils puissent bloquer le truc et qu'on puisse passer. Nickel. Instant pin. Ouais ouais, The Warren ce sera divisé en plusieurs zones évidemment. Ah ces égouts ils vont être longs ces vieux égouts. C'est tellement vrai en plus, les égouts, les égouts des fois, c'est walouf. Mais pourquoi je le frappe pas là? Attends, j'ai mis du temps hein, réagir. Oh, je le frappe ou pas? Hey, quand je vous disais d'un endroit rempli de tuyaux, là, déjà il y en a pas mal. Hein, c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il y en sortait une à chaque tuyau focus. Le problème c'est que t'es obligé de t'approcher des tuyaux pour trouver le bon qui te mène au bon endroit. Tape des monstres chaque fois. Évidemment là quand il y a un truc comme ça qui arrive c'est chiant. Hein. Quand il reste planqué dans son truc, connard. Faut trouver Waldo. Allez vas-y. Je crois que je vais dépasser mon quota de kill dans une vidéo là. Voilà, tout plein de tuyaux, tout plein de tuyaux magnifiques et mignons. Oh putain. Oh putain, encore un chouïa de vie. J'ai toujours de la chatte. Mais bien sûr que je sauvegarde, t'es fou. Eh bah putain, c'était cool, mon merde. Donc là, on tente de plonger. Et hop. Ouais, plantage de perspective. Alors là, je vous avoue que j'ai pas très bien compris. Déjà, j'essaye de regarder en bas, voilà, c'était chelou. Ok. Donc là, évidemment, hors chat. Non, pas en sauvegarde. Ok, c'était pas le premier trou, en tête le deuxième. Ouais, toujours Bon bah on teste le deuxième. Oh bah y'a même pas d'eau. Ah bah vas-y. On s'en fout des monstres. J'ai pas envie de me les combattre. Allez fuck. Fuck the monster. Ah oh, par contre je plains mon perso hein, parce que ça doit puer dans le coin. Alors le temps qu'elle va mettre pour y sortir. Ça y est hein. Elle a plus de nez à la fin. Elle a plus de narine hein. C'est bon, maintenant tu lui fais bouffer un tas de merde,
Ça dérangera pas. Il y a peut-être le goût, mais sinon l'odeur ça va. Nouvelle zone. Ah, avec des deux monstres qui sont en train de danser. Mais pourquoi ils dansent? On va m'expliquer. Alors là, faut gérer quand même hein, l'attaque des deux monstres. C'est pas facile, facile. Bon, là, il y a de l'électricité en bas, c'est sympathique. À la limite, les zombies du cimetière étaient plus faciles. Pourtant, ils étaient pète couilles. Ah oui, ils étaient pas de couilles, hein. Les zombies du cimetière. Donc là, c'est verrouillé, ok. Donc là, j'essayais de comprendre un peu la situation. Donc là, on va déjà clocheter cette porte. Cette porte. J'ai dit, hein, oh. Oh, tu m'égoutes. Ouf. Ah bah vas-y, on va mettre en off. Une voix off. Off. Ok, il n'y a plus d'électricité dans le coin. Ok, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Oh. Une grosse valve, c'est non ça, je peux pas m'en servir. Donc là, on peut nager tranquille, on dirait. On va nager, on va se noyer, oui, on va nager dans ce gros tuyau. Là, on peut foutre des coups de hache dans l'eau, hein. Bah, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là. Comme ça, si on est agressé. Donc là, deux chemins s'offrent à nous. Voilà. Bon, on va prendre à gauche et à droite, on verra. Alors, est-ce là? Ok. Donc là, on est au réservoir 1. Au réservoir Dogs. Ok. Ah, je suis en forme. Hein. Donc, allez, on va aller à l'autre qui doit être le réservoir. Ouais, 2, c'est ça? Le problème, c'est que il y a l'air d'avoir un trou au plafond qui peut nous mener quelque part. Le problème, on peut pas y accéder. Donc là, on est en train de se dire, mais il doit y avoir quelque chose pour pouvoir faire augmenter le niveau de l'eau. Effectivement. C'est ça. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre comment. Hein. Pourquoi le pourquoi du comment. Donc j'ai dû rechercher la solution assez souvent là. Hein. Heureusement que je suis mort, hein. Je suis un vampire parce que sinon là, le nombre de temps que je dois rester dans l'eau là, à moins d'être le champion du monde d'apnée, hein. Et oui, je mange, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Là. Bon, donc là, je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas un truc à trifouiller. Ok, donc là on peut faire on off. C'est ce que j'avais activé avant. Et j'ai pas compris à quoi ça servait, donc je vais bah retourner. On va voir. Donc on y va. Et puis là, oh, d'un coup stoppé par le truc. C'est parce que en fait, le bouton on off il permet d'activer et désactiver ce ventilo. Mais aussi d'augmenter le niveau de l'eau, mais vous verrez ça plus tard. Problème, mais comment faire pour y accéder, hein? Parce que si on désactive, bah l'eau il rebaissera. Bizarre. Chelou. Je préfère quand même ces phases avec énigmes hein, que les phases où on affronte ces putains de monstres. D'ailleurs là, pour le reste de la vidéo, on va être assez tranquille avec les monstres.
Ça va. Heureusement, parce que là, le nombre que je me suis farci depuis le début, hein. Donc là, j'essaye n'importe quoi et tout, n'importe quoi avec le tuyau. J'essaie de ramener un bidon pour voir si je pouvais l'amener là-bas. Rab de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, visiblement, le réservoir 1, c'est le piège. Sur les deux, hein, là où il faudra continuer. Bah oui, quand on regarde en haut, on voit que le tunnel mène bah, du noir. C'est vrai. La téléportation, c'est magique. Alors que le 2, il a l'air de mener quelque part. Donc on ira au 2. Donc là, voilà, j'avais zappé cet ordinateur là. Donc là, on va activer la pompe. La pompe wand. Donc ça, c'est ce qu'on est censé faire si on n'a pas assez de crochetage. Hein. Entre autres. Sceptique. Hein. Enfin, quand j'ai... Ouais. Pouvoir désactiver, par exemple, le courant. Ou on peut aussi désactiver les pompes, là, aussi. Hein. Ce qu'on peut aussi faire à côté, mais... Ouais, normal. Ça veut dire que si on n'a pas assez d'informatique ou de crochetage, ouais, un piratage et crochetage, si on n'a pas assez, ça veut dire qu'en gros, comment dire, on est dans la merde. Ça veut dire qu'on peut pas enlever l'électricité, une connerie du genre, et ça nous one shot ou... Non, je crois pas. Pam contrôle, pam contrôle, pam contrôle. Donc là, on tente d'y aller, sauf que. Ah, on est poussé par ce putain de courant. Et il a l'air fort, hein. C'est super courant. Donc là, il continue à me pousser, ouais, normal. Donc là, j'essaye de comprendre durant ce moment comment on va faire pour passer ce putain de passage. Off. Voilà. Maintenant on quitte. Et on rage, quitte. Donc le truc s'est tourné de lui-même. Donc là, réservoir. Flood safe, flood safe, flood safe. Donc j'avais déjà regardé Asolus à ce moment-là, sauf que j'avais. J'avais vu à propos de l'ordinateur. Sauf que, comme un con, j'avais pas vu ce qu'il fallait faire exactement pour pouvoir continuer. Donc là, je crois... C'est un peu con, mais bon. Attention, on va voir sous sa culotte. On va voir sous sa culotte. On va... Alors, est-ce une culotte en dentelle blanche? Bonne question. Ce sera la question de cette vidéo. Voilà. En fait, le truc simple, c'est que... Il faut donc déjà désactiver la pompe à la base. Voilà. Et ensuite l'activer. Sauf que vu que le ventilo, il n'est pas encore au max tout de suite... Voilà, ça veut dire qu'on peut encore nager pendant un petit moment. Sauf que là, voilà, là on arrive à la phase où je suis emporté par le courant. Donc là, je vais être obligé de retenter. Vous avez compris. Donc il faut, pendant le laps de temps où il commence à tourner, à bien tourner, hein, où on peut encore nager tranquille, ben attendre les réservoirs en vitesse.
Avant qu'il ait sa pleine vitesse et qu'on peut plus continuer. Non, voilà, comme ça qu'on va continuer. Hein. Notre petite partouze, notre petit parti. Par contre, le délire que je vais faire sur Saints of the Third, dont je vous ai parlé, ce sera l'avant-dernier délire, je vous le dis déjà. Et vous allez être triste, hein, l'avant-dernier délire. Le dernier, je le ferai pile poil quand j'aurai Saints of 4. Ou le jour de sa sortie, allez, vas-y, ou le jour de sa sortie, on verra. Ça dépend si j'arrive à le précommander. Voilà, le jour de la sortie de Saints of 4. Et ensuite, donc, je ferai sur Saints Row 4. Et oui, ça va vous manquer du Saints Row 2. Mais je pense que j'ai fait le tour, hein. Et voilà, on peut enfin nager jusqu'au bout. Jusqu'au bout du monde. T'as bouche les la bonne nana. Mais je m'en fous de télécharger votre film. J'en ai marre de ces petites pubs annonces, là, si pou. Allez, on arrive à Warren's 3. Warren's 3. Taiwan, c'est le nom du maire de Raccoon City. C'était le moment culturel et jeu vidéo ludique. Ah, je fais bien les bruitages. Vive les mariés! Donc là, on a un gros lard devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait au gros lard? On les fout au régime! Oui, tout à fait. Donc voilà là des nouveaux types de mutants là, ce quoi. Et ceux-là donc, ce qu'ils vont nous faire principalement, bah, c'est ça, nous balancer des petites boules de merde là. Qui nous empoisonnent un petit peu. Donc moi je vais utiliser mon gros magnum sur lui. Ah oui, utiliser un gros magnum sur un gros, c'est logique. Alors, comme ça on a trop bouffé au McDo, connard, hein. Voilà, mort. Ah, lui aussi ça avait l'air d'être un genre vampire vu qu'il dit. Alors voilà. C'est le premier exemplaire comme de monstre comme ça qu'on affronte. On en verra pas très peu de ceux-là. C'est même le seul que j'affronterai. Ça veut pas dire que ce sera le seul que je verrai. On voit la force apathique. Ça change un petit peu de ces monstres-là. Ah, finalement, il est quand même moins chiant hein, que les monstres-là avec leurs pattes. Parce qu'il est plus lent, plus gros. Forcément. En tout cas, je peux vous le dire déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et oui, on se retrouvera bientôt pour de folles aventures. Et en attendant, ne faites pas les cons. Mais faites les connes. Allez, vas-y. Et pour finir, on va essayer de buter ce monstre. Ok, on m'avait conseillé le flingue contre là, ce petit pistolet, mais en fait c'est de la merde. Bye.